Lâchez vos armes. Vous fêtez dans le tas. Bon, ben vous êtes dingue, vous, merde. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Pensez qu'à tirer. Vous pouvez leur parler, non? Dites-le à vos copains. Mais j'ai pas de copains ici. À propos de loi, il m'autorise à te garder à vue pendant 2 jours. Vite tes poches sur la table. Mais y a pas de raison. Mais si. Oui, la justice. Si vous permettez, monsieur le président, j'ai une opinion personnelle de la justice. Je pense qu'elle doit être juste, mais pas féroce. On m'a pris pour un cobaye. Moi, j'étais sur la confiance et vous sur le calcul. Qu'est-ce que vous attendez que je retombe? Ça vous ferait plaisir, hein, de venir vous pavaner devant moi en tôle. Bah, rassurez-vous, je vous donnerai pas ce plaisir, ni à vous, ni à Guattreau. Mais maintenant, je vous préviens. Premier qui vient me faire chier à me poser des questions, je lui casse la tête. Vous entendez? Je lui casse la tête! Raison de lui en vouloir, je pense seulement qu'il est nuisible et je le prouverai. Mais il a payé sa dette. Maintenant, il travaille. Qu'est-ce que vous voulez? L'amitié... c'est mort. Messieurs les jurés, je sais qu'en refusant les circonstances atténuantes, vous irez vers l'absolu. C'est-à-dire vers la peine capitale que je vous réclame pour l'accusé. Accusé, qu'avez-vous à ajouter pour votre défense? Rien.